bien grillé. Mais néanmoins, ça va être très très bon. Bien sûr, ne faites pas comme moi. N'oubliez pas votre plat sous le grill. Je vais essayer d'enlever les parties un peu trop cramées, un peu trop dorées. Et on va passer à la dégustation. Le fameux gâteau manioc. Ça, c'est un gâteau qui ne ressemble pas trop aux autres gâteaux qu'on a l'habitude de manger. Parce que déjà, il n'y a pas de farine. Donc, c'est gluten-free. Donc, sans gluten. Donc, pour les personnes intolérantes au gluten, c'est super. Et ça a une texture, comme vous voyez, plutôt compacte. Et c'est ce que j'aime bien, en fait. Ça change un peu, des gâteaux aérés et mousseux. Hop, je cache le côté un peu trop bruni. Car la bruni. Passons à la dégustation. Alors, c'est un gâteau qui se mange froid ou alors un peu tiède. Et il faut vraiment le laisser légèrement refroidir quand même avant de le couper parce que sinon la texture est encore un peu trop élastique et ça on peut pas très bien le couper. Et regardez la vanille. À très vite. Bye.